Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Sous question référendum, au niveau FONOL et à travers diverses organisations, nous capables pas de moyens politiques, nous capables pas de un soutien qui pour organiser, nous permettre, nous même nous déplacer, rentrer sortir pour nous faire promotion au référendum. Moi pour référendum. Et faut référendum fait. Ou comme pour qui ça? Référendum de fait. Parce que tout le monde qui dit à parler, il dit que c'est démocrate. C'est la démocratie à défendre. Si on défend la démocratie, si on est démocrate, ou pas qu'à utiliser la violence contre volonté pour faire peur. Ou des capacités de mobilisation, ou à mobiliser les gens, ou à mobiliser le secteur, ou à mobiliser les partisans, ou à mobiliser les camarades, nous pourrons voter contre nous-mêmes. Moi-même, bon côté PAM, m'a mobilisé FREM, m'a mobilisé SEM, m'a mobilisé camarades, m'a mobilisé famille, m'a pral voter pour. C'est un bel, c'est un exercice démocratique. C'est, parce que, je dis, les gens qui défendent la Constitution 1987, mais c'est la Constitution de 1987 qui bon droit pour nous, soit pour nous, pour bien pour nous compte. Ou même qui utilisait la violence, ou dit ou achetez manchette, ou mettez des âmes dans la rue, ou matissant, toute bataille ça, c'est des batailles contre la démocratie, contre pour l'expression populaire. C'est que n'y a pas de capacité de rassembler, que vous prétendez dire que vous gagnez. Le fait que l'adversaire n'a pas de moyens politiques qu'il dit gagner, eh bien, il utilise des âmes de violence. Moi-même, je dis bien, dans la mémoire, mettre mon février d'Oval. Ce qui est étonné, c'est quand nous voyons ces membres barreaux de Port-au-Prince et de Petit Gouave, des avocats, des élites de droit, de monde qui là pour réfléchir sur ça, qui est le droit, qui là pour défendre les citoyens, qui là pour défendre la liberté d'expression, qui là pour défendre la liberté individuelle. Parce que les violés doivent me faire appel en haut, avec un avocat pour venir, pour montrer, pour prendre ensemble des textes qui réjouissent le fonctionnement sociétaire, pour prouver que les violés doivent, et puis pour le mettre en liberté. Et puis, c'est avocat, ça, je dis, qui a manchette la même, qui dit, pas de droit à nouveau, pas de droit à un référendum, moi-même, pour m'exprimer, pour me dire oui, pour, ou bien non, pas d'accord. Alors que, ce qui est important pour moi dans le débat, qui est-ce qui t'a initié, qui institution qui a initié la bataille nouvelle constitution? C'était le barreau de Port-au-Prince à travers M. Montferrier d'Oval. Un intellectuel chevronné, doctorat, droit constitutionnel. Les maîtres d'Oval t'a parlé, pas de nion qui t'a. Alors, je voulais dire, maître d'Oval pas de connaître en dedans. Constitution 87 là, il y a un article qui dit qu'on ne doit pas modifier. Alors, que, monsieur dit que c'est des grands avocats, des grands intellectuels, il n'y a pas qu'à distinguer modification, amendement à une nouvelle constitution. C'est que, lui dit qu'on ne doit pas modifier, mais on ne pas modifier. Il y a un bagage qui est rejeté à tout ça que la donne. On ne pas qu'à trier donne. Pour me venir faire valoir, ça me bral fait de merde, parce que c'est parce qu'il n'est pas bon, c'est parce qu'il est irritant, c'est parce qu'il est erroné, qui fait me décider, pour ensemble d'éléments qui ne pas accordé, qui ne pas permettre la société à fonctionner, qui fait me choisir, nous dit, il y a une nouvelle, il y a une autre constitution. Bon. Ou imaginons, la bataille de Vétières, ou imaginons la guerre de l'indépendance, menée par Dessalines, Pétion, Capoua la mort, etc. Bah, pays a un drapeau, 1806, c'est ça. Nous changer. Nous changer. Nous changer. Nous changer la constitution de Dessalines. Et puis, nous ne pouvons pas changer
en constitution côté gain des déportés des côté te gain des fugitifs américains prisonniers américains participer là-dedans dans rédaction constitution 87 là des fugitifs des nèg qui courent pour la justice américaine une là vin écrit ça yo seulement mettons article 291 pour y a puisque nous était dans situation macoute et bien va même regarder ça quand dans constitution je dis à nèg pas parler oui et c'est pour nèg dans l'état pas juger mais alors que depuis 37 ans 34 ans constitution 87 là qui monde qui passe dans l'état qui juger pour corruption personne l'autre un sénateur de la République un homme ou fait sénateur qui coûte l'état Haïti pauvre ça $165,000 le mois pour frais pour tout $165,000 le mois et puis li wè email li pa ka di email li di email pour le pour la distive Yves c'est pas l'été écrit m'a payé dépenser 160 pas de problème mon sénateur dans dimension youri la torti cap fait loi cap ceci et qui de cap on pas de problème pas mavel m'a pas comprendre mais au prévu intellectuel m'a reconnaître que youri de compétent pas de problème pour moi me dépenser 100 bon OK bon on sénateur que m'a moi qui apprécié on est pour sénateur Joseph Lambert qui dit cap goumer contre référendum député sénateur des fois ou j'aime bon texte de loi qui est sénateur proposé, sénateur Lambert proposé. Jamais. Or, je dis à nous besoin de monde, nous besoin d'un parlement qui a produit. Eh bien, pour nous bon parlement qui a produit, société, a. Autorité n'est pas qu'à sous tête société. A. Nous besoin de constitution, au lieu nous gagnons l'État consommateur luxueux, nous besoin l'État des serviteurs. Qui l'a pour société a fait pour un poche. Comme le président de la République qui a dépensé l'argent et puis dans fait mandat liminaire, on pas poser aucune question. Je dis à président dans la constitution ça le président responsable. Mais me penser moi-même m'a redit encore à tout citoyen, femme et garçon qui attendent et qui regardent ma travers radio télé Guinée. Tout ça qu'a dit dans la rue là, c'est des faux débats qui n'ont pas gagné pour eux à la démocratie. Parce que la démocratie n'a pas marché à ça, les pensées uniques. Depuis que je me suis c'est fini. C'est pour un décret président Jovenel Moïse pour dire changer la constitution. Référendaire, situation référendaire, je parle de référendum. Non. C'est une sorte de participation pour me dire moi-même, est-ce que je suis d'accord? Ou bien pas d'accord. C'est soit je d'accord, ou voter pour, moi je vote contre, mais puis devant, nous tous nous entendons, nous, moi je vote la constitution 87 la Haïti toujours, moi je pas d'accord, je voulais changer, mais ça qui prend le trancher, c'est la majorité votant qui prend le dire, yo même comment ils veulent dire. Si la majorité a voté la constitution, requête la constitution 87 là, et bien la constitution 87 là continue à fonctionner. On va continuer à fonctionner sous lui. Si la majorité a dit une nouvelle constitution, eh bien nous allons aller vers l'autre constitution. Mais si nous pas fait, si nous pas qu'à comprendre ça comme exercice démocratique, pour dire moi acheter manchette, ou à couper bulletin, alors c'est pas bulletin qui a dit la couper vraiment. Pour dire ou distribuer les âmes, il y a une te campé, il y a une vigne sous des pieds, c'était soleil sous des pieds, Matisse sous des pieds, Belle sous des pieds, tout. Ça veut dire, je dis, nous pouvons le découvrir à travers le référendum 27 juin, qui monde qui te bat nous 29 novembre 87, Riel Vaillant. Nous pouvons le jouer acteur Riel Vaillant yo, à travers le référendum. Parce que Riel Vaillant n'est pas de l'élection démocratique. Ils ont débarqué, ils ont touillé, ils ont raché. Mais tout le monde pensait que c'était ma coute qui t'a fait. Mais je dis, c'est nous qui avons été tous nos démocrates qui ont acheté des manchettes, qui ont acheté des armes, qui ont distribué pour graser un exercice démocratique. Or, nous ne pouvons pas le gommer avec Syriens, nous ne pouvons pas le gommer avec Dominicains, nous ne pouvons pas le gommer avec Italiens. Nous avons acheté des manchettes pour nous couper tête, frère, nous, c'est nous, qui dit, eux-mêmes, ils ont arrêté, ils ont l'autre constitution. Laisse-moi dire, Madame Milan Maniga, femme respectueuse, femme politique, Chita Bo, Eric Jean-Baptiste, qui a combattu ça, Madame Maniga, lui-même, qui a prôné. Mais, où est-ce que ça me résume?
C'est que tout combat ou est de yon là, son combat pour protéger les intérêts libanais, syriens. Parce que président Jovenel, moyen dossier Dimitri Vob et Boulosio, eh bien, c'est comme si le pays a été résumé à Mounsaro, à intérêt Mounsaro, le fait que je dis à des questions posées sur l'intérêt Mounsaro, eh bien, mais comment le pays a venu? Moi, je finis pour me dire, là, bataille qui est là, je veux que le pays a compris. L'Église catholique, encore raté occasion. Je dis à l'Église catholique, dit, tout ça syrien, n'est-ce pas fait dans le pays? Là. Bon, mais Jovenel qui vient dit, il faut que les choses qui changent. Il dit, l'Église campait pour pouiller Jovenel. Libérer Dimitri Vob, libérer Boulos, libérer tout le monde qui t'a fait corruption à travers la Constitution. C'est ça l'Église. Pour ne pas boire ici, nous faisons, nous respecter, mais distance là, salle classique manque large. Pour nous capables de faire distance, mais nous faisons tout le monde côté masse. Nous avons regardé pour nous, après tout le monde la masse. Et que c'est toute l'école là net comme si qui manquait. Espace pour que tu es capable d'élargir Timounio de distance. Nous avons espace de Timounio, nous avons gagné 10 Timounio, nous avons gagné dans la salle de classe. Mais nous avons toujours fait laver, mais nous avons de l'alcool pour nous capables de faire passer. Nous avons manger, parce que nous avons mangé. Et seulement ça qui n'est pas respecté, seulement c'est distance parce que la classe manque élargie. Nous faisons laver, mais avant de rentrer, nous faisons laver, mais il y a élèves qui finent composer, Timounio qui finent composer et en bas. Il y a composer dans sa lieu classe pour ne pas perturber Timounio, nous voyons en bas. Mais il y a un masque, il y a un masque, pas jouer avec masque, mais il y a un masque. Pour examiner Timounio bien composé, que l'UNCV a fini composer. Il y a fini composer et il y a pour retourner vers l'école encore. En attendant pour nous respecter le jour que vous êtes là. Puisque vous êtes dit nous, le 11, qu'on a fini composer, il y a fini composer l'UNCV. Et que nous préparons l'examen. Quand même le lundi CV, on nous dit pour mardi, nous avons fini avec l'examen parce que c'était bon, nous, ils ont côté nous de river. Nous, même dans le nouveau collège Berceau du Savoir, ça que nous faisons, et pour Timounio, premièrement, c'est sensibiliser pour capable faire utiliser masse. Et pour salle de classe, yo, capable de gagner au moins des élèves par banc, et puis professeurs, nous avons dispensé le courant capable à 3 mètres de distance. Si toutefois que tu as quelques questions à vous poser, vous même pour capable en état pour vous poser. Mais nous-mêmes, ça que nous disons pour le pays, généralement, même si autant de toutes bagailles, mais nous-mêmes, nous avons une belle exposition nous faire du vent, nous mettons ça avant. Nous sommes capables de utiliser même deux. Il y a une sortie qui l'a de la terre. Mais pendant ce temps, il y a mettons l'autre encore pour venir manger, pour mettre des airs parce que la croix est gros. Nous prenons toutes mesures, nous faisons réunion des parents pour ça. Nous parlons parents pour que les gens utilisent les masques. Nous parlons parents pour toujours battre des conseils pour ne pas jouer n'importe comment, c'est tout l'air sous la croix. Pour ne pas voler sous l'autre, pour tomber, etc. Parce que même les gens jouent, il faut respecter la distance. Nous parlons de ça pour eux. Et nous parler avec le professeur, il faut utiliser masto pour l'école là capable de passer. Mais pour examen, nous avons horaire que nous baillons. Nous avons mobilisé avant le ministère même. Nous avons dit, puisque nous connaissons, pour aller un référendum puis devant, nous connaissons que le professeur est préparé pour y avoir un jour à examen. Nous avons fait une révision la dernière semaine du mois de mai. Et puis, pour nous être capables de commencer l'examen, d'ici mercredi, qui était 2 juin, l'école là, généralement, a fini de composer vendredi 11. Nous avons fait carnet le 6 juillet, et puis tous les élèves qui ont la 9e année, NS3, NS4, et tout le monde NS3, NS4, qui a gagné pour toujours venir l'école à partir de lundi 14. Nous avons fait un professeur pour rendez-vous avec eux, pour faire 3 jours sur 5, pour être capable de travailler, pour être capable d'acheminer le programme dans l'examen pour arriver pour Timounio qui a proposé. Pour qu'on soit sur la croix là, pendant qu'il y a joué, il n'y a pas utilisé Massio,
parce que vous connaissez souffle, vous avez monté, vous connaissez tirer surtout, les vous pouvez venir chercher, le soleil là, monter un petit genre trop. Mais depuis vous avez des salles de classe là, principe respecté. Nous c'est le courrier de la nation, un média qui existe depuis 2 ans. Donc nous là on a travaillé pour former informer population. Année ça dans le cadre d'activité que nous avons fait pour 2 ans, nous avons une nécessité pour nous initier un débat vraiment dans la société. Sous les médias, sous la presse en particulier, particulièrement la responsabilité que la presse gagne par rapport à la question de sauvegarde de la démocratie. Je ne veux dire en pile parole abdi sous démocratie. Donc démocratie et dictature, c'est deux paroles que nous entendons en pile. Mais est-ce que les médias ont vraiment joué le rôle que vous avez joué? Parce que généralement, on a toujours dit que les médias ont participé pour capable faire que bon changement qui fait dans le pays en 87. Mais après ça, qui ça les médias ont fait? Est-ce que les médias ont participé dans faire éducation démocratique population? Est-ce que les médias ont tout fait ça les démocratisation de l'information? Donc nous-mêmes, nous devons que 2 ans que nous avons depuis l'existence, c'était une occasion pour nous capable au moins créer un débat pour nous capable discuter un peu plus sur la question ça. Après atelier ça que nous avons fait là, je veux dire, afin de dire atelier présentiel et sur Zoom, parce que nous avons essayé d'inviter le moins de monde possible pour capable venir participer là-dedans. Malheureusement, avec notre qui sortit matin, ça veut dire que grand plus le monde qui est obligé de commander, qui dit qu'il y a sous Zoom plutôt au lieu que vous présent. Donc nous avons un problème avec ça. Donc après ça, nous-mêmes, nous avons travaillé sur nouveau contenu, parce que dans 4-2 ans, nous déjà venu avec nouveau contenu, nouveau site. Donc nous pour produire des supports multimédia pour capable continuer à former. Former population. Le Rival Recyclage, c'est un groupe jeune qui travaille à Haïti Delma 24. Je dis à nous fier pour la presse parler, écrit télévisé. Visitez-nous dans Isidore Jean-Louis, dans l'occasion qui c'est 5 juin, Journée mondiale l'environnement, cap de merci Dieu veut. C'est 5 ans que nous avons célébré tout dans le Rival Recyclage, anniversaire atelier. C'est peut-être ça la raison, ça, je dis à nous exposer produits nous. Pour nous montrer que les jeunes qui sont volontaires en Haïti, qui vont faire ça qui est positif. Qui ça nous fait? C'est ramasser des déchets plastiques, recycler, parce que je ne veux pas dire que nous avons ces déchets plastiques qui causent gros inondations. Demain, si je veux que c'est Journée mondiale l'environnement, c'est raison ça que je ne veux dire nous faire exposition ça pour nous montrer que le talent que les jeunes gagnent, qui a une volonté qui a fait ça qui est positif tout en dans le pays d'Haïti. Les gens dans le Rival Recyclage, c'est partager l'idée dans 10 départements pays avec des jeunes qui ont une volonté que pour capable de recycler pour faire par exemple valise à chercher de l'eau, panier à salle, balai, rideau avec caoutchouc que nous recycler tout que nous fait chez avec que nous fait tap. Yon, si nous avons une machine qui a facilité qui a un bac, qui a facilité pour nous, comme ça, tout si nous avons un cycliste pour faciliter 3 roues, qui a facilité pour nous ramasser 2 chaises plastiques et caoutchouc pour nous aller dans l'atelier pour nous travailler. Nous avons d'autres travail nous à faire parce que nous avons gagné assez de matériaux pour nous couper caoutchouc, par exemple, avec caoutchouc que nous faisons papillon avec eux, que nous découpons, que nous faisons l'autre plus gros travail avec eux, que vous observez là. Nous déjà Jamel, nous déjà Gonaïve, nous déjà Léogan, nous avons besoin plus de backup, plus de sensibilité, nous besoin plus de matériaux pour nous avancer dans l'autre 10 départements pays pour nous apprendre jeunes à recycler des déchets plastiques en matière utile. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, nous connaissons le thème Nations Unies retenues, c'est restauration écosystème. Mais nous rencontrons la presse matin pour nous informer et nous comptons toujours accompagner nous tous, de nous-mêmes qui, depuis en 2019, qui avons déjà lancé campagne pour restaurer l'écosystème dégradé dans le pays d'Haïti. Donc, constat qui montre que nous avons évalué la forêt, sous l'eau, rivière, bon en mer, nous sommes un pays qui est en crise. Le fait que le pays est en crise et que grand ensemble des services, qui sont des services écosystémiques, nous continuons à partir de l'écosystème. Nous avons dit sous l'eau, nous conduisons de l'eau pour nous servir. Forêt que nous connaissons pour ensemble baptiser des loisirs qui contribuent dans la question lutte contre question changement climatique dans stocké carbone gain au niveau des écosystèmes côté au mangrove qui s'est réservé à côté grand ensemble espèces surtout poisson répond tout écosystème sera disparaître le fait que écosystème sera disparaître Haïti je dis a fait partie de un pays qui plus vulnérable face au changement climatique là et qui plus vulnérable tout face à question catastrophe naturelle. Donc comme nous connaissons le pays d'Haïti, toujours touché par la question cyclone, donc nous estimons l'important, la meilleure façon de préserver le pays, pour préserver les services écosystémiques, c'est lancer une grosse campagne
pour restaurer l'écosystème pays d'Haïti. Parce que nous avons gardé au niveau des forêts des pins, que ce soit pas que la visite, espace forestier, ça qui des châteaux d'eau, Port-au-Prince, puis forêt, ça va disparaître malgré la présence du ministre de l'Environnement, malgré la présence de NAP qui a mis sa plate qui supposait protéger l'espace. Nous estimons par rapport à l'environnement vulnérable, nous avons une aide pour nous mettre nous ensemble pour nous lancer cette campagne nationale là, pour que l'autorité tout à l'heure capable de comprendre qu'il est du temps. Environnement malade, il faut que nous fassions bagaille nous-mêmes journalistes, nous toujours accompagner l'organisation ça, nous avons une propre responsabilité par nous, parce que c'est nous-mêmes qui sommes capables de balancer l'opinion publique là. Il faut que nous montrions que l'environnement pays d'Haïti grave, il faut que nous venions des éco-citoyens, il faut que nous prenions responsabilité, mais l'État tout, qui est ministère de l'environnement, qui est ANAP, faut-il bien que vous jouez un rôle qui c'est protection environnement, protection écosystème, protection biodiversité pays d'Haïti. Question campagne pour la restauration des écosystèmes dégradés d'Haïti. Nous-mêmes, ensemble, organisation et la société civile, nous collaborons nous ensemble pour nous lancer campagne pour la restauration des écosystèmes dégradés d'Haïti, mais qui est coordonnée par OHPDD, Observatoire haïtien des programmes de développement durable. Et dans quatre programmes, ça, nous commençons depuis 2019, nous avons fini 2020, mais nous divisons en deux phases. Il y a une phase d'étude et il y a une phase d'exécution, une phase de mise en œuvre. Et phase d'étude, là, lui-même, c'est 2019-2020. Et nous sommes plus basés dans la question étude de faisabilité, analyse des risques, analyse des besoins, évaluation écosystème, etc. Et ça, phase d'étude, là, pour la coucher avec un document technique. Que très bientôt là nous pour nous mettre le dehors pour nous proposer l'État, toute organisation, toute institution qui a intervenu dans la question environnement pour lui tenir compte une ligne directrice dans l'intervention qu'il a fait. Parce que nous-mêmes nous constatons que l'environnement lui-même n'est pas arrêté comme ça. Et là-dedans, nous sommes obligés de marier la question environnement avec agriculture. Parce que nous constatons que principale victime dans question problème environnement, c'est plus monde qui pis pauvre, monde qui dans milieu rural, etc. Et si toutefois moi était capable de prendre faire une comparaison entre environnement et gestion des risques et des as, journée c'est 5 juin, journée mondiale de l'environnement, mondial de l'environnement, et nous pas mettre de côté tout période cyclonique 1er juin à 1 juin à novembre, côté qui gagne ils ont passé en revue une série de constats qui vraiment terribles, qui vraiment incertains par rapport aux gens que période cyclonique planienne là les prévoit venir, parce que ont lancé environ 21 cyclones qui prévoit qu'à former, et là dans l'environ il y a 4 qui marchent. Si toutefois un cyclone est passé, et bien cyclone ça lui-même il c'est un risque qui est capable de permettre nous chambader campagne là. Et bien dans ce sens, qui hypothèse nous-mêmes nous lancer pour ça capable faire, il faut que nous capables de voir période cyclonique là, avant, pendant et après. Avant qui ça nous fait, pendant qui ça nous fait, et qui ça nous prévoit faire, et après qui ça nous prévoit faire. Et avant qui ça nous-mêmes nous fait. Et ensemble d'organisations, ça aussi pour spécialement applaudir que moi-même m'a dirigé dans le département sud PIA. Nous commençons avec question formation pour une série de leaders dans zone reculée. Et nous-mêmes commençons à mettre une série de coordination ni dans la section communale, ni dans la commune, ni dans l'habitation, pour être capable de mobiliser Mounio. Si toutefois si un cyclone, comment mon alien doit comporter, et nous même prévoir tout pendant cyclone là, qui ça nous capable réponse nous capable porter dans l'immédiat pour répondre à toutes besoins. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là, et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.